parapluie. Mais, et demain, vous allez faire des compromissions sur les candidats. Je ne vais pas vous faire des grandes phrases, je vais vous donner des exemples. Quand nous avons bataillé avec les Français contre votre réforme des retraites que vous avez mise en place, eh bien, nous avons travaillé, par exemple, avec le groupe Liot. Hein, avec des centristes, des hommes de gauche. Nous avons des majorités à construire dans les villes. Quand nous, dans les villes que nous dirigeons à gauche, nous arrivons à rassembler des hommes et des femmes qui ne sont pas tous cartés dans des partis. Donc, Jean-François Copé, et après, Nicolas Roussel. Vous savez sur quoi va se faire la clarté ? Sur le programme. Sur les 10 propositions. Sur les 10. Moi, j'appelle à ce que nous faisions un pacte sur la France construit autour de 10-15 propositions. Avec le Parti Socialiste. Nous allons écrire ensemble. Ouais. Attendez, ça vient de tomber il y a une heure. Laissez-nous la nuit, demain. Écoutez, on peut faire le travail à ça, mais nous avons déjà beaucoup de choses sur lesquelles nous avons travaillé ensemble, que nous avons défendu ensemble, à gauche, avec les écologistes, avec d'autres. Bah, et les sujets. On a l'impression que vous tendez quasiment la main aux centristes. Et les sujets. Mais je pense que quand on a affaire à une menace aussi grave sur notre République, sur la démocratie, quand il y a une guerre en Europe, oui, ça vous concerne. C'est très important que l'on puisse se rassembler très largement et ne pas être dans un clivage politique, mais sur un projet pour la France et pour la République.